Bonjour, c'est Maxime. Ouais, ben moi c'est Marie. Bonjour Marie, bienvenue à Jeune et J'écoute. C'est complètement confidentiel. Oh oui, je vous fais confiance là. Ce qui s'est passé. Rendu à l'hôpital, déjà trop tard. Il était mort d'overdose. Personne ne savait expliquer. Tu sais, parfois dans la vie, les gens souffrent, mais ils veulent juste pas le montrer. Il souffrait pas, il se droguait! Sûrement qu'il souffrait s'il s'est drogué. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il aurait pu pousser à faire ça? Comment ça se passe aux autres à la maison? Marie? Les parents, ils arrivent à quelle heure? Je sais pas. 5 heures, peut-être. Il est 6 heures. Je commence à avoir faim. Ben, mange des restants. Ça fait la même affaire à chaque soir. Puis tes parents étaient toujours partis à quel endroit? Ben, mon père travaillait tout le temps, puis ma mère, ben... Profitez de la vie. Oui, parfait. Oui, c'est ça. Vous pouvez lui envoyer des fleurs. Non, présentement, je ne suis pas à la maison. Je suis à la plage. Les enfants sont restés à la maison. Oui, merci. Bisous. Enfin, c'est ce qu'on pensait, là. On les voyait pas. Genre, 2 fois par semaine maximum. Depuis la mort de ton frère, est-ce que vous en avez discuté, toi et tes parents? Non, jamais. Ils étaient pas, ils sont pas plus là. Je suis rendue toute seule. Ben, mon frère ou moi. On peut pas y arriver à quelle heure? Je sais pas. 5 heures peut-être. Chaque soir, ça fait mal. C'est vraiment dur d'être seule. Chance que t'es là, Max. T'es la seule personne à qui j'ai pu en parler. Merci.